Rien n'a marché, et dans la mesure où on se fait payer d'entrée de jeu, 2 euros, surtout avec un autogol, c'est la manière, voilà, c'est ce qui fait mal. Mais j'ai dit que ce soir, on a trouvé une équipe de l'effort qui est venue grandement pour jouer sa chance ce soir. Et elle a démontré, et même à une infériorité numérique, elle a mis tous les ingrédients qu'il fallait pour gagner ce match-là ce soir. Alors, c'est félicitations pour eux. Et je pense qu'ils en avaient plus besoin de cette victoire que nous. Nous serons restés focus sur notre objectif qui est de terminer champion. Je pense qu'au départ, il n'est pas question que l'AS Douanes termine la saison sans défaite. Ça, c'est les gens qui ont créé leur challenge. Moi, mon objectif, c'est de gagner ce titre. Alors, je pense que nous sommes toujours dans notre objectif. Nous allons nous relever. Et on est tombé ce soir. C'est la logique du football, il faut savoir aussi perdre. On ne pourrait pas être invaincu jusqu'à l'infini. Voilà, mais je pense que nous avons quand même mis la barre à un certain niveau. C'est ce qu'il faut retenir. Et je dis bravo à mes garçons qui sont revenus dans le match, mais qui en tout cas ont trouvé en face un bloc hermétique et qu'on n'a pas trouvé les solutions pour perforer. Ça sera le même bloc encore contre la même équipe en Coupe de Faso. Est-ce que vous déjà vous appréhendez cette explication? Non, pas du tout. Les matchs suivent ne se ressemblent pas. Nous sommes dans un autre contexte. Voilà, un match de coupe, un match de championnat, et ce n'est pas de la même manière que nous allons aborder ça. Voilà, et je pense que ce soir, le foot a gagné, et je pense que la semaine prochaine, c'est à nous de gagner également. Donc rien n'est perdu, et je pense que c'est le football, c'est le face au foot qui gagne, c'est ce que je dis. Voilà, et Kamou Malo n'est pas quelqu'un qu'on ne bat pas. Non, loin de là, ce n'est pas vraiment mon objectif. Mon objectif, c'est le titre. C'est ce qui m'a été assigné, et c'est ce que nous sommes en train de chercher.